Manu. Ah. Valise violette de gitan. Qu'est-ce qui se passe, Redo? Qu'est-ce qui se passe? Attention, les bêtises, on est sur le Fredo, est-ce que tu peux faire mon intro de vidéo? C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et oh, salut tout le monde, bienvenue en Guyane. Bienvenue en Guyane. Il pleut jamais. C'est la Normandie. Il pleut jamais. C'est comme en Bretagne, il pleut sur les cons. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, on va se faire un petit décrassage sur des baby carpons. Donc ce matin, on va essayer de faire quelques poissons. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà, histoire de s'échauffer un petit peu les bras et tout. De reprendre la base du ferrage. Voilà. Et de bien ferrer, ouais. De ferrer à la. Surtout de bien ferrer à la Texas Ranger. Voilà. Ça, c'est important. Ça. Le petit Manu hier, il ferait comme une petite fille les perches et les chèvres de métropole. C'était pas bon. C'était pas bon. Premier poisson guyanais et nouvelle espèce, le snook, appelé loubine ici. Rivière. Snook rivière, attention. Snook rivière. Attention. Manu. Ah oh. Oh putain. Ah merde. Oh, 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 regarde là-bas. Ah oui. Ouf. Poisson. Yes. Oh. Yes. J'ai pas vu les ici. Ah. Oh non. Ouf. Bon, le problème c'est pas de les piquer, c'est de les sortir. Et là il y en a pas mal. Petit coloris. Celui-là il est pas bon. Ce petit coloris là, il est nul à chier. Mais nul. Viens ici. Tu te mets là dans le coin. Là dans le coin. Oh la violence. Et tu le combats là. Non. Merde. Putain, le street fishing guyanais. Premier jour arrivé en Guyane. Je veux plus repartir. Il y a des drôles de perches ici. Hein. Ça fait combien de temps qu'on pêche? 30 minutes. Je l'ai vu arriver celui-là. Il y a eu un gros remous derrière. Et là, BOM! Ils sont chelous les chevennes ici, là. Ils font des trucs bizarres. C'est des chevennes sous stéroïdes. Je suis habitué tout le temps à faire. Je m'en fous. Très bon jig fait maison, ça. Ah oui. Incroyable. Les petits coloris, je sais, j'ai compris ce qui marchait. Ouais. Donc ça, c'est un gros avantage que j'ai. Vous allez en entendre parler de ça. Et en fait, là c'est un rouget parce qu'il a le liseré bleu. Ouais. Quand il n'a pas le liseré bleu, c'est une petite carpe rouge. Stylé. Ah! Décroché? Cassé, je crois. Oh! Oh! Cassé? Ouais. Raté.
Tu l'as? Waouh! Incroyable! Décroché! Non, je l'ai! J'en ai chopé deux! Oh, le leurre s'est décroché! Ah, il a rattaqué? Trois! Trois! Mais c'est magnifique! De trois! T'as filmé, non? Ouais, ouais! Oh putain! C'est le bordel! C'est le bordel, mon général! Oh le bâtard! Tu veux que j'y aille? Ah! Ta mère cassée! Ah, c'est bon! Putain! Non, mais là, ça a été un truc de fou, quoi! Bon, c'est un sacré délire! Alors, on va vous expliquer la situation. C'est nous le débrief. Le petit débrief. J'ai lancé. Là-bas. J'en décroche un. Le gig tombe. J'en refais un second. Je le décroche. Et j'en fais un troisième que je casse. Voilà. Pêche. Waouh. Celui-là ? Oh, il a décollé celui-là. Oh, ils sont pas bons les jigs. Je vais les jeter. Un petit snook noir, bien joué Manu. Il est sympa celui-là. Oh, gig PPG rose, 7 grammes. Un bébé, parce que ça arrive à mettre. Donc c'est vraiment un vrombissement comme ça, très. Qui est plus fort le soir. Bien joué Manu. Ça, c'est bon ça à manger ça. Tu vois, il y a de la chance. Il y a de la chance qu'on meure pas encore de faim. Ciao mon pote. Hop. Il veut pas mordre l'enfoiré. Je pense qu'il m'a vu. Petit patagaï. Il a un joueur bien orange celui-là ou pas du coup? Non. C'est un jeune, il peut. Quand il a les couleurs orange. Au micro spinner. C'est un peu plus. C'est un peu plus rond que, ouais, que l'Aymara, c'est un peu moins. Ouais. Et tu l'as pas vu au sol? Il y a une belle tête ronde. Regarde-le au sol celui-là. Allez, release. Ah bah celui-là. En saison sèche comme ça, quand il se fait piéger dans une mare, et bien il arrive à passer d'une mare, à retrouver une autre mare, jusqu'à retrouver le cours d'eau. Normalement tu devais nous faire une démo. Hein. Il faut te mettre dans le bon sens ça. Dans la Bat Cave. Ah oui, il y a du monde quand même. Allez, les chauves-souris carrément. Oui. C'est des grosses là. Ouais, il est beau. Ah, ou Patagaï. Patagaï. Yes. Vous avez une petite pince ou pas? J'ai ma pince rouge à la grosse là. Tant qu'il va me défoncer les doigts si j'y touche. Il mord à chaque fois que j'essaye de mettre la pince. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah putain. J'ai l'impression que des dons. Quand il y a un coup sec ou la technique là, avec le morceau de fil là, il tire. T'appuies dessus le morceau de fil. Je vais faire un petit tour à la. Comment ça? Oh c'est chiant. Les urgences hein. C'est quoi, il est pas gros l'ardillon? Non, c'est pas du gros truc ça. Et puis en plus, t'es pas planté loin à mon avis. Mais bon, faudrait que tu tires quand même un bon coup, c'est quoi. Un, deux, trois. C'est bon, facile. Sorti. Facile. Facile.
Ça fait plus. Ça fait plus peur que mal en fait. Ouais. Là, je te dis, je suis pas à l'aise de le faire sur quelqu'un d'autre. Ça me fait transpirer. Hein. Ouais, oui, je viens de croire. Bon, le deuxième hameçon de ma vie planté. Magnifique. J'adore la forme de ces poissons là, tout rond. Ouais, c'est une torpille celui-là. Il est tout lisse, tout rond. Celui-là, il est bien. Bien joué. Premier coulant que j'arrive à piquer. Magnifique poisson. Notre petit derrière, t'as vu? Vilain. Allez. Manu, tu touches pas. Avec les yeux seulement. Ils sont vraiment vilains. Alors, cousin de l'Aymara, le Patagaï. Ah oui, en sosie plus, complet. C'est coulant à côté. Mmh. Hop. Autre cousin, coulant barré. La doublette du seigneur. Ils sont bons les gars. C'est qui a gonflé? Ben il s'est gonflé, nom de Dieu. C'est trop mignon. Ouais. Ouais, on va voir ce que ça donne quand on le remet à l'eau. Si ça fait un flotteur. Un flotteur pour le silure. Attention. Allez. Hop là. Oh, c'est stylé. En fait, ça amortit la chute. J'aime trop ce poisson. Stylé. Il est trop beau. Ils font souffrir les poissons. Oh. Oh bouboule. Le bébé. On digue. Comment on décroche ce truc maintenant? Oh petit bébé! Putain, il est énorme! Ah ouais! Mais t'as plus gros encore! Hein. Ah ouais? Ouais! Bon, comment on fait? Vas-y! Adieu bébé! Il est tout petit le mien. Ah c'est un snook. En fait il est pas petit. En fait il est pas petit, c'est un snook. Comment je vous passe ça moi? C'est vraiment de la... Ah. Vas-y, garde le balacan, garde le balacan. Voilà, c'est bon. Vas-y, vas-y. Ça fait un gros mou, il s'est pas décroché. Opa. Direct dans l'épuisette. Merci. Avec le jig de Christophe, une fois de plus. Petit jig. Et magnifique. Et bien alors, à ce que je vois, 15 minutes de vidéo et vous êtes toujours là. Si ça ne vous a pas suffi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mon ami Vincent sur ce combat incroyable de tarpon en street fishing
dans la passerelle et dans le courant. Il a eu beaucoup de chance, mais je vous en dis pas plus. C'est une nouvelle chaîne, donc je compte sur vous pour aller battre son record de vues. Je vous mets tous les liens en description, sa chaîne Up to Fish. Et puis quant à moi, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo en Guyane. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement. Je le dis pas trop fort, mais ça m'aide à relancer la machine. Rien de plus. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao. C'est Bubule. Magnifique. Allez hop. Oh, il s'est dégonflé avant lui.